Thank you ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance de pleine lune, une guidance de lunaison et ouais tous les 15 jours, là cette fois-ci ça va être la pleine lune en balance. Dans deux secondes, je vais vous expliquer tout ça. Et puis je voulais juste euh, commencer par vous remercier du fond du cœur de bah voilà de vous. <laughs> je voulais vous remercier du fond du cœur de toutes les interactions qu'il y a entre nous. Euh, grâce à vous, la vie de ma chaîne qui est pérenne et tout. Euh, merci à ceux et à celles qui m'ont déjà fait confiance pour des guidances perso. Eh bah, ben allez, on continue. Je suis très très heureuse des retours que vous avez euh, dans votre vie. Et puis euh... Et puis euh, le fait que vous avanciez bien, là j'ai eu des retours très jolis ces derniers temps, donc je suis très heureuse de pouvoir vous aider personnellement, et puis plus collectivement avec ma chaîne. Donc euh, je vous fais un gros gros bisou d'entrée, voilà c'est tout ça. C'est tout simple. Euh, si vous ne me connaissez pas, bien sûr, vous abonnez, vous likez, même si vous me connaissez, hein, vous pouvez continuer à liker, à commenter, ça me fait toujours plaisir. C'est vrai que je réponds plus aux commentaires commentaires par commentaire mais je jette toujours un coup d'œil, vous inquiétez pas, et puis ça voilà, ça me fait super plaisir, ça me fait chaud au cœur, donc ça je voulais vraiment vous le partager. Euh, Aujourd'hui on est sur quoi On est sur une pleine lune en balance. Alors ça aura lieu ce jeudi, jeudi 6 avril 2023 à 6h34. J'ai lu 6h36 ou 6h34, on est par là, on va peut-être trancher sur du 6h35, je <laughs> sais pas. Euh, cette pleine lune en balance, euh, on l'appelle aussi pleine lune rose. Euh, J'ai cru comprendre. Alors moi, je suis moins sur les archétypes un peu amérindiens et tout ça. Moi, je suis, je suis plus sur le côté astrologie, le versant astrologique, la signification astrologique des lunes. Mais pleine lune rose, je trouvais ça joli. Donc pleine lune rose en balance. Balance qui est le signe de quoi De. Euh, le but de la balance, c'est établir des relations harmonieuses, cultiver le beau, cultiver la paix, euh, chercher un équilibre. En gros, cette pleine lune, elle va vous aider à quoi elle va travailler vos énergies dans le sens euh, pour trouver un équilibre. Voilà, trouver un équilibre entre vous et les autres. Euh, pourquoi Ça, je vais vous l'expliquer. Parce que en fait, c'est vrai que le, le, la Balance est euh, à l'opposé du Bélier. En ce moment, c'est le signe du Bélier, et du coup, en, en lunaison, on a la Balance. Bon, je vous le fais rapide au sein. Vraiment, là, je vous le fais rapide. En tout cas, c'est des signes qu'on peut dire adjacents, complémentaires. Euh, le Bélier, c'est le jeu, et la Balance, c'est le nous. En gros, pour vous signifier la chose. Donc, il y a une espèce de dichotomie avec cette pleine lune en Balance qui, va, qui peut vous faire travailler justement un équilibre. Est-ce que je m'occupe de moi Est-ce que je m'occupe des autres Eh ben la solution de la Balance, c'est ben, je m'occupe de moi pour pouvoir au mieux de m'occuper des autres, donc on n'est pas que dans le jeu du bélier, on n'est pas que dans le nous on est vraiment dans un voilà, une recherche d'équilibre dans ces deux là la balance c'est un signe vénusien hein, faut pas l'oublier, donc ça concerne vraiment aussi beaucoup l'amour, l'amour des autres, l'amour inconditionnel euh, se tourner vers l'amour, c'est une pleine lune qui est favorable quand on est vraiment dans une dynamique amoureuse pour équil équilibrer des choses. Je sais pas, je vous donne un exemple par exemple, euh, vous êtes face à des situations conflictuelles donc ce soit en amour ou pas mais ça touche votre amour propre ou l'amour que vous ressentez pour quelqu'un, c'est conflictuel à l'intérieur de vous ou avec quelqu'un extérieur. C'est une pleine lune qui est hyper favorable pour favoriser des échanges qui sortent du cœur, pour fluidifier les échanges. Euh, c'est vraiment c'est une lune qui favorise les échanges. Euh, trouver les mots justes aussi, parce que la balance, euh, bah, c'est comme une balance, hein, comme la balance de la justice. C'est une pleine lune qui vous, a... qui vous aidera à trouver les mots justes qui viennent de vous pour peut-être aplanir des situations, les régler ou pas. Mais en tout cas, voilà. Euh, en gros, le gros thème, c'est rester fidèle à soi-même. En même temps et en même temps ne pas oublier de faire le pas vers les autres. C'est un petit peu ça, euh, cette balance. Et c'est vrai que c'est une. Moi j'aime bien comme si, mais de la c'est une pleine lune. Elle peut un peu piquer parce que c'est une pleine lune. C'est normal, ça bouge les énergies. D'ailleurs, elle, elle est souvent active. Par exemple, moi, elle est souvent très active euh, deux trois jours avant, euh, le jour même, c'est assez fou. Et puis après, ça s'étompe un peu, mais vous, ça peut jouer le jour même et trois, quatre jours après aussi. Hein, ça, c'est important. Euh, et puis quoi vous dire euh, d'autre sur cette petite pleine lune en Balance euh, Les sentiments peuvent être exacerbés au contact de la pleine lune en Balance. Les émotions, oui, mais c'est surtout les sentiments. Si vous avez des sentiments pour quelqu'un, en général, on vous les met. La, la, la pleine lune en Balance, vous les met vraiment en face du nez. Vous voyez euh, c'est une phrase de Johnny Depp que j'avais postée il y a pas longtemps. Vous allez me dire, ça, ça, ça pourquoi? Pourquoi, là, en ce moment, là Boloch, elle pense à ça? Mais c'est que, c'est une phrase qui disait, vous vous souvenez que j'ai pas une mémoire légendaire, hein, mais j'ai toujours le, les impressions de ce que j'ai posté. Euh, en gros, on peut faire, euh, on peut se cacher les yeux pour ne pas voir la vérité, mais on peut pas cacher son cœur pour s'empêcher de ressentir des choses. Et la pleine lune en balance, et ben, bam, elle vient vous remettre aussi, des fois, de façon un peu piquante, mais bon, c'est nécessaire, en face de, euh, ceux que vous aimez, qui vous aimez. C'est très, très important. Voilà mes petits chouchous. Donc aujourd'hui il y a trois choix. Je suis déjà des petits courts choix. Hein, c'est des, des, des petits formats courts pour les pleines lunes et les lunes. Et les nouvelles lunes. Euh, quoi vous dire, je vais aller chercher des dés. Ah oui, je le rappelle, c'est vrai que je ne le rappelle pas tout le temps, mais il y a des petites choses que vous pouvez faire hein, dans la matière euh, au moment des lunes, donc nouvelle lune ou pleine lune, en l'occurrence pleine lune. Vous pouvez faire des listes pour nettoyer certaines choses. Toujours avec bienveillance, vous prenez un papier, un stylo, vous écrivez ce que vous voulez voir. Sortir de votre vie, mais ça peut être des choses, et c'est souvent des choses internes avec la lune, c'est des choses intimes, donc des conditionnements, des manques, des quelque chose, une situation dans un conflit interne ou avec quelqu'un, vous pouvez demander que ce soit résolu avec la balance, c'est pas mal que chacun y trouve son équilibre. Euh, si vous vous posez des questions que vous n'arrivez pas à trouver la réponse, ben vous demandez par exemple sur cette ligne-là sur cette ligne là Pff, oui sur cette ligne là sur cette liste là à, à trouver la solution avec votre cœur vous voyez des choses comme ça vous écrivez en ne jamais jamais souhaitant quelque chose euh, pour quelqu'un d'autre que soi c'est-à-dire pas rien de malveillant hein, vraiment surtout ne faites pas ça et puis, faire confiance à la Lune pour régler les choses de la manière qui vous correspond, à vous et à l'autre, s'il y a quelqu'un d'autre dans le conflit. Et puis, après, vous brûlez cette liste en faisant attention, faites une petite prière et vous laissez la magie de la Lune opérer. Voilà, je vous redonne des petits, conse des petits conseils pratiques aux pratiques. Alors, aujourd'hui, je vais aller jeter des dés astro. Attendez, il faut que je fouille dans mes dés. C'est mes dés astro, ça. Ouais, c'est mes dés astro. Euh, comme il y a trois dés astro, je me suis dit, allez, c'est simple, c'est concret. Euh, ça peut être votre signe, le signe de quelqu'un ou rien à voir. Euh, je vais aller faire rouler les dés et je vais vous dire ça tout de suite. Qu'est-ce que nous avons Alors, pour le choix numéro, je vais faire dans l'ordre. Pour le choix numéro un, nous avons le signe du Cancer. Pour le choix numéro 2, nous avons le signe du taureau. Et pour le choix numéro 3, nous avons le signe du poisson. Ça va très très bien. J'aime bien ces signes-là avec cette lune. Donc, choix numéro 1, le signe du cancer. Choix numéro 2, le signe du taureau. Choix numéro 3, le signe du poisson. Le timing est en barre de description. Si jamais ça ne vous inspire pas les signes, il y a du rose clair, du violet et du vert. Voilà. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 20, vous qui avez opté pour le cancer. Petit signe d'eau. Très intuitif, très dans le cœur aussi, beaucoup dans les émotions, le signe d'eau, de le cancer. Euh, son but étant, je veux faire des petits trucs astro, comme j'ai sorti des je vous le fais vite fait, mais le but du cancer, c'est vrai que c'est quelque chose avec sa sensibilité à protéger, à assurer la sécurité des siens, euh, son comment dire son son petit confort émotionnel euh, cultiver un jardin. il y a il y a, a c'est des choses émotives avec le cancer hein, si vous êtes du signe du cancer sinon c'est peut-être aussi un peu le thème de la guidance je sais pas on va aller voir est-ce que c'est euh, rester dans sa zone de confort sortir de sa zone de confort je ne sais pas est-ce que là moi j'ai senti ça aussi les, le le cancer il est très très fort pour euh, pour arriver à cacher ses émotions quand elles sont trop fortes et puis pour euh, s'en prémunir et donc euh, tomber dans une sorte de non, 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 je ne ressens plus rien. Il y a peut-être un truc au niveau des, de, des sensations, des sentiments, je sais pas. Alors, ça, ce sera pour la fin. Hop, les grands thèmes, sur quoi va jouer cette pleine lune euh, bah, dans votre vie, là Hop, pareil avec le tarot. Je fais toujours un peu le même système si vous me connaissez. Au moment des pleines lunes, c'est des petits courts Et puis euh, à la fin, un conseil. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. J'ai eu envie d'y mettre une réponse divine. Alors c'est pas forcément une question. C'est voilà, c'est un petit complément divin en plus à la fin de, de la guidance. Alors quels sont les domaines concernés par cette pleine lune pour vous On a quoi L'automne à l'envers. Soigner la santé, le guérisseur. Ok, avec chiron. Ouh, c'est puissant, dit donc. Et l'étoile de l'homme. Oh Waouh Alors, moi, euh, ce que je sens, en plus, dans cet ordre-là, avec l'automne, je vais la laisser inverser. Parce que dans cet oracle-là, d'ailleurs, je vous mettrai la référence. C'est un nouvel oracle qui vient de sortir que j'adore. Je, je me suis acheté ce week-end. Je le kiffe à ah mort. Bon, vous allez le voir souvent. C'est un oracle astro. Euh, depuis l'automne, il y a une situation dans votre vie, très certainement. Donc, l'automne, hein. après, le, time, le, le temps, il, est, il, est, voilà, il peut être diffus en en guise en général, et puis en tarot également. Et puis là, vous prenez que ce qui résonne. Mais moi, ce que je sens, c'est que depuis l'automne, il y a quelque chose que vous devez régler. Et je pense que ça va se rétablir euh, aux alentours de cette pleine lune. Je m'explique. Soigner la santé de Grisseur, chiron, c'est vraiment euh, le mieux être. Il y a quelque chose, alors, je vous dis le mot. Je vous dis le mot parce que je l'entends et qu'il n'est pas pour moi, je ne le garde pas. Il y a quelque chose qui, depuis l'automne, vous empoisonnez un peu. Il euh, y a quelque chose où vous n'étiez pas au clair vis-à-vis -vis de vous-même. Alors, est-ce que c'est une personne Est-ce que c'est une situation Ça peut être professionnel, ça peut être familial. Il y a quelque chose où je sens un peu un nœud et où là, cette pleine lune, euh, en plus début de printemps, vient nettoyer ça, vient vous aider à vous soigner de quelque chose. Alors, je ne tire pas sur la santé, ça, ça affectait peut-être votre bien-être, bien-être émotionnel avec le cancer. Et ce que ça va aider. Alors c'est super parce que dans l'ordre en fait l'automne est inversé donc c'est vraiment compliqué. Je pense alors avec quelque chose, je sais pas une activité, une personne depuis l'automne. Il y a quelque chose qui vous faisait pas du bien hein, avec ce serpent. Et là en fait vous vous dirigez vers quelque chose qui est prévu pour vous avec les doigts de l'homme. L'étoile de l'homme ça, ça va être quelque chose de constructif, de réel. Ce est, est, ça, ça part sur une base émotionnelle. Je pense que vous avez une, un, un problème avec euh, Peut-être des sentiments, des émotions que vous ressentez, quelque chose qui n'est pas, euh, vous vous sentez plus aligné depuis l'automne. Je ne sais pas ce qui s'est passé cet automne. Alors ça peut être fin d'été, début d'automne, je ne sais pas par là. Il y a quelque chose où vous vous sentez plus aligné. Et là et eh bien magie de la lune en fait. Cette lune vient vous aider à rétablir une, 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 peut-être une relation harmonieuse avec vous-même. Et donc moi ce que je sens c'est que du coup euh, ce qui pouvait être compliqué à manifester, euh, à quitter, à je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, que, de toute façon que vous devez faire, que vous devez quitter, une situation que vous devez quitter depuis l'automne, vous n'y arriviez pas. Et là ça sonne bon parce que l'étoile de l'homme c'est que ça vous donne la force, vous vous... Vous, vous vous prenez cette pleine lune pour être juste par rapport à vous-même, pour que tout soit bien aligné. Le cœur, euh, peut-être l'esprit, hein, peut-être que ça a joué sur l'esprit, je sens le plexus solaire, et donc la force pour aller vers ce qui est fait pour vous. C'est beau, c'est un gros nettoyage, hein, euh, un gros nettoyage. Alors voilà, là ça reste général, là, je peux pas vous dire, mais... Il y a peut-être, ouais, une activité, une personne. Il y a, je sens quand même qu'il y a quelque chose de présent dans vos vies encore actuellement, là quand vous regardez, donc ça sonne bon parce que là, euh, la pleine lune, elle est dans pas longtemps, mais qui vous affecte quand même, hein, depuis l'automne. Depuis l'automne. Bon, alors, euh, qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot On va peut-être aller voir plus précisément. On a quoi Milky Way <laughs> Ah, j'adore. Vous savez que les Milky Way, c'est mes trucs préférés. Il hein. faut que je cite d'autres marques, mais euh, genre, c'est pas Mars, c'est pas tout ça. C'est les Milky Way, mes préférés. <laughs> La Voie lactée, top. On a le roi de coupe en plein milieu, magnifique. Ouah, wow, et le trois de bâton. Il y a des solutions qui vous arrivent. Sur une situation, pourquoi Parce que, en fait, vous êtes au milieu et vous euh, tenez compte de vos émotions, de votre cœur. Et du coup, euh, la Lune, Dieu l'univers, vos guides, vous ouvre les portes vers quelque chose autre part. Alors, je vous explique parce que là, c'est la voie, alors, la voie lactée, la voie vers ce qui est prévu pour vous, figurez-vous. Je pense que vous étiez peut-être un peu bloqué. Alors, ça, ça peut... c'est très général, mais il y a quand même le roi de coupe au milieu, donc euh... voilà. C'est une situation de cœur quand même. Votre cœur, vous êtes fidèle à votre cœur. La lune, elle vient nettoyer tout ce qui avait euh, investi votre cœur qui n'était pas bon. Euh, il peut y avoir de la culpabilité qui s'en va, je pense, je viens de l'entendre. Il peut y avoir du ressentiment, il peut y avoir euh, bah, tout simplement que votre cœur maintenant, en fait, c'est un petit peu votre, euh, comment dire, votre temple et vous n'y laissez plus rentrer des choses mauvaises. Moi j'ai l'impression vraiment qu'on vous remet sur le bon chemin du cœur. Euh, ce qui est prévu pour vous au niveau du cœur, donc euh, ça peut être des passions, hein, euh, je sais pas, pro et tout ça, mission de vie, ou ça peut être aussi également euh, la vie sentimentale. On vous réaxe sur ce qui est prévu pour vous depuis longtemps et vous aviez peut-être pris un mauvais chemin. Mais là, tout est ouvert au niveau de votre petit chakra du cœur en tout cas, hein. et vous allez d'autant plus respecter ce que vous ressentez. J'ai l'impression. Alors ça c'est marrant, je me demande bien ce que c'était comme situation mais en tout cas ça va vraiment vers l'étoile. Ça va vraiment vers votre destinée, ça va vraiment euh... vous allez comprendre peut-être a posteriori de cette pleine lune, peut-être pas là tout de suite mais vous comprendrez pourquoi aussi vous êtes laissé investir je pense par une énergie euh... qui n'était pas bonne, qui n'était pas bonne, je sais pas, je sais pas quoi vous dire. Il y a quoi sur cette carte là d'ailleurs non, il y a les signes astro d'automne. Alors, est-ce que ça joue sur Balance, Scorpion, Sagittaire Je ne sais pas. C'est ce que je peux vous dire en plus Je n'en sais rien. Alors, petit conseil, euh, petit conseil, petite voix à suivre de la part de, je ne sais pas moi, de, de vos guides, de du divin. On va aller voir ça ensemble. Et puis de toute façon, je vais rajouter des breloques pour que ce soit beaucoup plus précis après. Qu'est-ce qu'on a Repensez-y. Ah, c'est marrant. Ça, repensez-y. Repensez-y à quoi Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez abandonné dans le passé, il faut y repenser. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous occultez complètement? peut-être depuis le mois d'automne, vous occultez, vous dites, non, non, non. Vous savez, c'est ce que je vous disais en intro, si vous avez regardé mon intro, ça me fait carrément penser à la phrase de Johnny Depp que je vous disais là en intro, cette fameuse phrase qui dit, on peut, on peut se boucher les yeux et ne pas vouloir voir la vérité, mais on ne peut pas boucher son cœur en gros, et, 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 et on ne peut pas s'empêcher de... Ce qu'on ressent, on ne peut pas empêcher son cœur de le ressentir. Repensez-y. Alors, ce que j'entends également avec soigner la santé, le guérisseur et le roi de coupe juste en dessous, ça peut toucher certaines personnes également. Il y a peut-être une vocation d'aide aux autres, de soins aux autres, de une vocation que vous taisez à l'intérieur de vous, de guérisseur, de guérisseuse qui là s'illumine complètement. C'est possible aussi. Mais moi ce que je sens, c'est que de toute façon, votre cœur se guérit donc vous y voyez plus clair au niveau du cœur et en fait il se guérit, il n'était pas malade par vous-même. Il faut que je vous le dise. Alors ça, c'est assez impressionnant quand on me remet une couche. Il n'était pas malade par vous-même. Il était investi par un serpent. Je vous le dis. Alors je ne sais pas ce que c'était. Peut-être un autoconditionnement peut-être une personne. Mais en tout cas, cette pleine lune, euh, repensez aux choses que vous avez euh, peut-être occultées ou que vous êtes dit ah non je peux pas, je dois pas. Ou le mental vous a dit ça. Repensez. Il y a quelque chose à laquelle vous pouvez repenser qui vous fera du bien et qui sera réglé euh, au moment de cette pleine lune. Eh bah dis donc les amis, c'est joli. J'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, notez guérison du cœur ou en tout cas vous laisserez plus, je sais pas, vous laisserez plus les mauvaises choses investir dans votre cœur. Alors qu'est-ce que nous avons Nous avons du quoi Nous avons euh, ah ouais, ça va vous faire du bien, ça va vous vivifier avec le quartz là. Euh, petit coup de pouce du destin de vos guides. Vous allez voir euh, qui s'allie un peu, j'entends à la pleine à la, cette pleine lune, à la magie de la lune pour vous, pour vous pousser vers le bon chemin. L'étoile et le trois de bâton, c'est vers le bon chemin. Il y a quelque chose qui est relié au chakra sacré. Alors, est-ce que vous, euh, est-ce que je sais pas de votre côté, euh, est-ce que vous êtes épanoui au niveau du chakra sacré sacré Chakra sacré, vous savez, c'est notre, notre énergie vitale, pardon, notre sexualité. Est-ce que vous êtes épanoui là-dessus ou est-ce que c'était en berne Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a un problème avec son chakra sacré et ça vous empoisonne Il peut y avoir... Je sais pas, ça peut être un détail pour une ou deux personnes ce que je vous dis, mais c'est très important parce que vous, j'entends, vous n'avez pas de problème là-dessus en fait. Ouais, il y a un truc comme ça. Vous voyez, il y a quand même du orange là, hein, d'un côté que je ne vois pas d'un très bon oeil. Euh, L'arbre de vie, vous, vous réaxez sur qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous aimez, qui vous aimez, c'est très beau. On a le signe du scorpion qui était aussi là. On a le signe de quoi Du gémeau et on a le signe du bélier. Ok, alors le bélier va vous aider, je pense aussi, comme c'est le signe un peu complémentaire de la balance à vous autonomiser et à, et à écouter ce que vous ressentez vous. Et euh, le roi de coupe, alors c'est marrant parce que les archétypes du roi de coupe, c'est cancer en fait, hein, c'est le cancer. Euh, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a appris à gérer ses émotions, mais au-delà de les gérer, c'est qu'il les assume, euh, qui vit avec son cœur, qui est rempli d'amour, qui accepte l'amour, qui reçoit l'amour et qui en donne. Il y a la roue du destin dessus, moi je pense que en termes de vie personnelle vous allez y voir plus clair, peut-être de carrière si vous hésitiez à vous lancer pour soigner les autres il peut y avoir quelque chose comme ça un petit déblocage dans ce sens là voilà mes chers amis du groupe numéro 1 j'espère que cette jolie guidance vous a plu, a été très douce à canaliser, en tout cas vous allez vers le mieux être parce que vous vous éloignez de ce qui n'était pas fait pour vous, c'est ça qu'il faut retenir qui ou ce que, ce qui n'était pas une activité ou personne, hein, ça ça dépend des gens ou peut-être tout simplement la même chose. Hein. Des fois, on subit l'influence de quelqu'un qui, je sais pas, il peut y avoir des choses comme ça qui n'étaient pas bonnes. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, me demander une guidance perso, vous abonner, rejoindre ma communauté, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis, du choix numéro 2. Vous qui avez choisi ce bon vieux taureau. Quel bon signe de terre. <laughs> je vais faire comme avec le, le, le choix numéro 1. Je vais vous, je vous dire un peu les archétypes du taureau parce que vous n'êtes pas forcément taureau et donc, euh, voilà. Le but du taureau en astro, c'est quoi? C'est trouver sa sérénité, se sentir en sécurité. Euh, jouir des plaisirs de la vie, des joies simples. Des plaisirs simples, combler ses besoins, euh, aller dans la nature, c'est un signe terrien, c'est plutôt quelqu'un de simple, d'engageant, c'est ces choses-là. Est-ce que, est -ce que là, cette pleine lune déjà, avec le signe de taureau, euh, bah, m'invite à penser que ça va être un assainissement d'une situation, se remettre à la terre, euh, voyez euh, être en présence, c'est peut-être ça, parce que ça, tout ça, c'est les archétypes du taureau. Alors, ça, c'est pour la fin, c'est un petit conseil divin. Ça, c'est les thèmes sur lesquels va jouer cette pleine lune. Et c'est des petits formats. À la fin, j'irai rajouter des breloques pour un petit peu plus de détails. C'est parti, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on a <laughs> La maison 7, la maison de la balance, justement. Les partenaires, le mariage et la justice. OK. Les ennemis. OK. Et le soleil. Être le charisme et le leadership. Vous reprenez le contrôle par rapport à quelque chose qui était euh, conflictuel avec autrui. Là, autant le choix 1, ça pouvait être adaptable sur une activité ou en lien avec une personne. Vous, mes amis du choix numéro 2, euh... ah, c'est marrant ce que j'entends. Marrant ce que j'entends. Euh... Vous vous trompez d'ennemis, j'ai l'impression, choix numéro 2. Alors, euh... prenez cette phrase comme elle est, c'est peut-être pour une, deux, dix personnes, je ne sais pas. Bon, peut-être vous vous trompiez d'ennemis jusqu'à maintenant, et maintenant, en fait, et, et grâce à cette pleine lune, moi ouais, je l'entends plein de fois, grâce à cette pleine lune, vous allez pouvoir objectiver vraiment. Hein. Euh, vous êtes peut-être en conflit avec quelqu'un quand même, hein. parce que là, il y a le partenariat. Alors, le, le, là, on voit des alliances, donc ça peut être le mariage, le couple, mais il y a le partenariat, la collaboration, peut-être professionnelle aussi, mais il y a quelqu'un d'autre avec qui vous êtes en en conflit rentrait euh, le soleil c'est qu'il y a de la il l'amélioration la, oh, sur ce conflit j'ai l'impression c'est ce que je vous disais en préambule c'est marrant c'est exactement les énergies de de la pleine lune en balance et de la balance euh, rester fidèle à soi-même tout en n'étant pas en conflit avec l'autre vous voyez il y a quelque chose qui est comme ça il y a un rétablissement d'une certaine justice par rapport à ça peut-être certains certaines se sont trompés de conflit ou se sont trompés de vous voyez il n'y avait peut-être pas de conflit, en tout cas ça se règle. Ça c'est ce que je sens. Euh, vous reprenez le contrôle sur une situation et je sens que c'est une situation à l'intérieur de vous, où justement vous vous euh vous dissipez peut-être des angoisses. Cette lune va dissiper des angoisses, des fantasmes, des non-dits, des choses qui vous bloquent au niveau du, du, du plexus solaire en lien avec quelqu'un. Moi c'est ce que je sens. Bon on va aller voir plus pratiquement, euh, plus précisément avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a la reine de coupe, ok. Le 3 de coupe, bah ouais, en fait c'est l'inverse, c'est drôle ça. Et le 5 de bâton, ah, oh <laughs> ben vous savez quoi, c'est ce que c'est Ah j'ai capté, vous vous trompez d'ennemi, ah c'est marrant ça. Alors, il faut que je vous dise un truc, euh, mes choupinous du, <laughs> mes petits lapinous du groupe numéro 2, c'est assez fluide. Le... La personne avec qui vous êtes en conflit, c'est un ou une reine de coupe, hein, parce que je ne tire pas genre. Et... La reine de coupe, c'est quelqu'un euh, plutôt démon. C'est pas, et en plus, elle n'est pas à l'envers. La reine de coupe, c'est plutôt quelqu'un de, 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 de pacifique et qui n'a pas de mauvaises intentions, qui fonctionne avec le cœur, aide les autres, comble les besoins des autres et tout ça. Ensuite, si je regarde la carte juste en dessous, les ennemis, vous avez quoi Vous avez les amis. <laughs> c'est ça qui est très drôle. Vous avez les ennemis en haut, donc ça, je pense que c'est ça qui va se dissiper parce que c'est ce qu'il y a dans votre tête, parce que dans les faits. En fait, il peut y avoir alors soit une très belle réconciliation réconciliation avec quelqu'un que vous preniez pour un, un ou une ennemie, et, et en fait, il s'avère que bah vous allez trinquer cordialement, en tout cas, vous allez vous réconcilier, il y aura de la joie. Donc ça, ça, ça sonne très très bon sur la résolution de conflit avec euh, des personnes avec qui vous étiez en brouille, euh, en brouille concrète ou en brouille interne, parce que j'entends quand même beaucoup d'interne, vous voyez cette pleine lune elle va vous aider à avoir plus clair dans des situations où vous étiez en conflit pourquoi je vous dis interne parce que finalement la, le, la carte du soleil c'est vous c'est votre ego c'est le jeu c'est le moi c'est pas l'autre là pour le coup euh, et vous votre polarité avec le soleil donc d'ego et de jeu. Euh, c'est conflictuel le cinq de bateau c'est parce que en fait vous aviez l'impression peut-être d'être en conflit avec quelqu'un parce que c'est conflictuel à l'intérieur de vous-même. Donc moi ce que je comprends et c'est très joli, très clair, limpide pour moi, c'est que cette pleine lune, elle va vous aider à comprendre que quand on a un conflit à l'intérieur de soi, ça peut être de l'ego, de la fierté, ça peut être plein de choses, des conditionnements et puis bah voilà quand, quand on est en conflit et ça arrive voilà on est tous et toutes comme ça à des moments de notre vie. Et eh ben du coup on projette sur les autres des conflits qui ne sont pas les leurs parce que là l'énergie elle est plutôt cool vous voyez vous allez euh, en fait vous allez vous apercevoir que vous peut-être l'ennemi votre principal ennemi ces derniers temps c'était vous et quelque chose à l'intérieur de vous au niveau énergétique euh, et vous avez projeté ça sur quelqu'un. Mais en tout cas, il y a de la résolution de conflits interne et du coup externe, vous allez vous apercevoir que non, il n'y avait pas de problème avec quelqu'un. C'est beau, j'aime bien, dis donc, c'est comme une sorte d'énergie de, de résolution pacifique, c'est joli, dis donc. Euh, quel est le conseil, quel est le message, quelle est l'injonction du divin euh, bah, pour cette situation ou en général Attendez. <laughs> ouais, regardez. C'est marrant parce que là, il y a une épée comme ça, là. On dirait que vous étiez à deux doigts de vous énerver avec quelqu'un, dites-vous. Hein. Euh, attendez, attendez avant d'entrer en fight ou d'être dans l'attaque avec quelqu'un. Attendez peut-être cette pleine lune qui va venir solutionner certaines choses. Attendez. Hein, ça, moi, je le vois comme ça. Hein. Ou attendez pour statuer sur quelqu'un. Attendez pour statuer sur une situation. Il oh, n'y a pas le feu au flac, quoi. <laughs> vous voyez y a, y a... Prenez le temps d'évaluer les choses. Peut-être grâce à, à mon conseil, là, au conseil des guides. Essayez d'objectiver la situation comme ça, ça vous aidera peut-être déjà à, à nettoyer une énergie qui était peut-être à l'intérieur de vous et qui n'était pas chez l'autre. Voilà, c'est vraiment, c est, c est, est vraiment euh, très précise. J'ai jamais canalisé en général, euh, en disant général, quelque chose d'aussi précis. Alors, des petites breloques pour vous les amis. Et ce sera terminé là Oula, il y en a plein. Il y a des choses à dire. il y a carrément une breloque qui est tombée. Alors. Euh... Oh bah je la vois pas. Ok, bon, bah, je la vois pas. Je la vois pas. Euh, Qu'est-ce que nous avons euh, Nous avons l'enfant intérieur qui est là. Votre petit Playmobil intérieur. Ouais, il y, y a une situation qui est en lien avec. Et puis en plus, il y a ami... les amis là. Et là aussi, ça peut être un peu l'enfant intérieur. C'est en lien avec quelqu'un. Ouais, il y a le petit lapin d'Alice de au Pays des Merveilles. Est-ce que vous êtes en conflit avec quelqu'un euh... Euh, je sais pas où vous êtes relié au niveau de, de, de l'enfant intérieur, à enfant intérieur, au niveau des blagues de, je de, de, sais pas, il y a quelque chose qui est comme ça. On a le signe du Lion. On a quoi d'autre comme signe On a le signe du Cancer, on a le signe de la Vierge et on a le signe du Bélier. Ça peut être des synchronicités pour vous, pour vous dire si vous êtes dans le bon choix ou pas. Le plexus solaire. Euh, ouais, il y a un truc là avec le plexus, une, quelque chose de rentré, une colère rentrée qui va se dissiper. Vous êtes en colère contre vous aussi, je pense. Et, euh, et le rire va revenir parce que du coup le plexus solaire, euh, bah quand il sera actif dans le bon sens, quand il est nettoyé, je pense par cette pleine lune, euh, le rire, le sourire, l'humour va revenir, la joie va revenir dans votre vie. Il y a encore quelque chose d'enfantin, il y a le, il y a le petit dauphin avec son ballon. C'est une c'est comme si j'avais l'impression que c'était une situation entre deux enfants. C'est assez fou, quoi. Des enfants qui se boudent ou alors vous boudez quelqu'un, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça ou quelqu'un vous boude je j'en sais rien euh, les masques vont se dissiper et vous allez vous apercevoir que c'est abondant en fait du point de vue de l'amitié. Il y, a, il y a beaucoup d'amitié. Peut-être que vous pensez être en froid avec être avec, quel, avec quelqu'un et en fait c'est pas le cas. Vous voyez tout simplement. On a la bonne lune là qui veille justement, euh, qui vous protège et qui vous et qui justement dans ce sens-là vous dit mais il n'y a pas d'ennemi. Le seul ennemi, la seule ennemi c'est peut-être toi vis-à-vis -vis de ce que tu penses, ce que tu ressens. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il faut sortir. Et qu'est-ce qu'on a avec la petite fée Bah la petite fée elle vous protège également. Donc moi je et puis regardez cette synchronicité là divine. Okay. C'est comme dans le choix 1, ça. C'est la même breloque. Je dirais la même chose, c'est que le divin va un petit peu s'immiscer dans cette énergie lunaire pour vous faire comprendre peut-être ce message principal. Tranquillez-vous, il n'y a pas de conflit. Peut-être que juste simplement à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est conflictuel et que vous projetez sur quelqu'un ou sur d'autres personnes. C'est important à entendre. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. J'espère que le message a eu sa portée. En tout cas, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté et me demander une guidance perso. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du chat numéro 3, vous qui avez opté pour ce bon petit poisson. Euh, signe du poisson, c'est peut-être votre signe, le signe de quelqu'un, je sais pas, vous aimez ce signe, ça peut être l'ascendant, la, votre lune aussi. Moi perso, par exemple, c'est ma lune. Euh, le but du poisson, c'est quoi C'est d'unir, d'aider, de compatir, de transcender. C'est un signe très, très émotif, c'est un signe qui a une sensibilité particulière, une intuition, une spiritualité a un sens de l'adaptation très particulier et euh, comment vous dire qui est vraiment ouvert un petit peu au, à ce que le commun des mortels ne sent pas vraiment donc euh, donc voilà c'est quelque chose de très spirituel en tout cas peut-être ce choix c'est spirituel ou pas on va aller voir ça peut jouer aussi c'est peut-être une indication tout simplement que cette pleine lune va jouer sur vos émotions votre sensibilité va vous aider à être beaucoup plus intuitif intuitif par rapport à une situation on ira voir ça alors les grands thèmes, euh, non, ça c'est la... <laughs> le conseil de fin, une petite ligne de fuite par le divin. Euh, les grands thèmes, nous avons du quoi Nous avons les plus petits thèmes, un conseil à la fin, et puis euh, j'irai mettre des bologues, bien évidemment. Alors, sur quoi va jouer cette pleine lune pour vous, mes chers amis du groupe numéro 3 Sur les archétypes du Capricorne, droit, sage et ambitieux. OK Donc là, on est sur une voie qui va être clarifiée, j'entends. Clarifier vers quoi Parce que là, vraiment, oui, c'est vrai que le Capricorne, il est objectif, il trouve le sens, et puis après, il s'engage, et il est déterminé, et il, est... il y a de la discipline, il y a un côté carré. J'aime bien, ça va... Si vous étiez dans une nébuleuse par rapport à une situation, n'importe laquelle, euh, personnelle, amoureuse, le boulot, une décision à prendre vis-à-vis -vis de quelqu'un, vis-à-vis de vous, je ne sais pas, en tout cas, ça va vous ramener à la terre et ça va vous mettre dans le droit chemin. Droit, sage et ambitieux. C'est bon, ça On a quoi on a l'été, mmh, ça vous dirige vers l'été. Alors en plus, dans le bon sens, cette carte-là. Euh, alors, ça vous dirige soit vers une période, donc la période de cet été qui est bientôt, là, dans trois mois, qui sera porteuse de... Ça vous axe sur aussi de la réussite, l'été, sur quelque chose où on... on, on on accueille le soleil, on accueille le bonheur, la joie, la réussite. On a les signes. Alors sur cet oracle là que je vous mettrai en description de la vidéo, c'est un pur bonheur, c'est un oracle astro, je m'en passerai plus. Euh, J'ai fait ça avec le choix numéro un, donc ça vous amène aussi vers quoi Vers le Cancer, le Lion et la Vierge. Hein. Ça c'est peut-être aussi une synchronicité astro, mais vers du mieux quoi, vers du chaleureux, de la chaleur, du bonheur, de la réussite. Ça peut être professionnel, hein. Capricorne plus l'été. Hein. Ça peut être dans plein de domaines de votre vie d'ailleurs. J'irai voir avec les petites cartes là après. Euh, et qu'est-ce qu on a la maison 6, la maison de la Vierge, donc il y a la Vierge qui revient deux fois là, euh, la santé, le travail et les habitudes. Alors, tout simplement, ça vous axe sur la bonne voie, la voie de la réussite, que ce soit au niveau relationnel, émotionnel et dans le travail. Dans le travail, là, il y a un bon bonus là, sur choix numéro 3, sur le travail. Ça vous axe vers euh, vraiment euh, ce qu'il vous faut. Ça, c'est très important. C'est marrant parce que si vous avez hésité avec le choix 1, j'y vois des corrélations. Alors, je ne dis pas que c'est les mêmes choses. Je dis peut-être que ce choix-là est la suite du choix numéro 1. Peut-être. Mais là, j'ai quand même une vibes commune. Euh, la maison 6, donc la maison de la Vierge, c'est la maison du quotidien. C'est la maison... Alors autant le Capricorne, parce que Capricorne et Vierge, ils sont potes, ils sont signes de terre. Il euh, y a le côté le Capricorne, c'est la longue voie sur le, le moyen et long terme. Et puis la maison de la Vierge, la maison 6, elle est plus minutieuse, c'est-à-dire que au niveau confort de vie, au niveau mieux-être, au niveau de ouais de votre routine quotidienne, euh, vous allez vraiment vers le mieux-être. Vraiment, si vous aviez, si vous sentiez pas bien, même dans votre corps et tout, vous allez vraiment vers le mieux-être, ça va nettoyer. Cette pleine lune, elle va nettoyer et elle va vous clarifier la voie à suivre. C'est vraiment ce que j'entends. Elle vous axe, elle vous clarifie la voie à suivre. Si vous étiez euh, dans un choix qui vous paraissait impossible ou ou dans une nébuleuse où vous disiez je vais là, je vais là, je vais là, là, bam, on va vous mettre la voie directe. Regardez, c'est c'est clair, c'est limpide, c'est prà. C'est droit. Bon, ben, j'aime bien. Allez, petite spécification en plus. On a quoi La reine de Pentacle. OK. Donc, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de corrélation avec la Terre, vous. Hein. Ça, c'est important. L'impératrice. Oh C'est bon, ça. Et l'étoile. Ah ouais, effectivement, vous êtes sur la voie de vos rêves. Alors, petite spécificité. Je vous disais, ça peut être professionnel. Je vais vous dire les deux parce que là, ça peut être professionnel ou sentimental ou les deux en même temps. J'ai l'impression que les deux, vous... Ça s'axe vers le même axe. Ah, c'est fou, ça. Euh, D'un point de vue professionnel, la reine de Pentacle, elle a sur ses arrières, vous voyez, il y a un petit écura à côté. Euh, elle va dans le bon sens et elle va vers une sécurité financière et professionnelle. Et en plus vers un domaine de cœur dans sa vie professionnelle l'impératrice au milieu alors là on est bon dans le sens où financier les deux elles peuvent se ressembler en arcane mineur en arcane majeur regardez l'impératrice elle est confortable donc elle est rassurée au niveau des finances au niveau de son ancrage de niveau de sa stabilité euh, là par exemple là je vous fais encore le petit truc sur le, le le boulot et après je vous dirai le perso sur le boulot par exemple tout simplement, bah, la pleine lune en balance va vous aider à trouver un job si vous êtes au chômage ou à euh, pérenniser un contrat qui ne l'était pas, à trouver une stabilité professionnelle, une stabilité euh, financière et tout ça. Mais clairement, hein, peut-être le marqueur principal serait cet été et, et ça vous axe vers ça. C'est vachement beau. Bon. Je, je viens d'entendre quelque chose, C'est n'est pas professionnel ou sentimental. Je pense que vous, si vous trouvez, choix numéro 3, la stabilité euh, professionnelle, euh, en fait, votre stabilité sentimentale dépend de votre stabilité professionnelle. C'est quelque chose qui est, qui est très beau à canaliser. En gros, euh, votre situation professionnelle va être épanouissante et beaucoup plus stable, moins source de crainte pour vous. Et du coup, euh, moi j'y vois que vous soyez homme ou femme, parce que Reine de Pentacle et Impératrice, il y a un côté euh, aussi très sécurisant en amour. En tout cas, on vous axe sur la voie de ce qui est prévu pour vous dans les deux domaines. C'est peut-être, vous savez, cette pleine lune, elle vous remet sur dans le bon sens, elle vous remet vers ce qui est prévu pour vous, elle vous clarifie les choses. Pourquoi Parce que d'un point de vue matériel, vous êtes rassuré et donc vous pouvez aller laisser, aller. aller qu Est-ce que j'entends aller laisser votre cœur Bon, bref, vous avez compris, laisser votre cœur parler puisque l'ancrage il est rassuré, le chakra de, de base il est, il est il est sûr. Et ben maintenant, votre cœur peut s'épanouir avec quelqu'un. Alors, ça, j'entends aussi que ça peut être l'inverse. C'est quelqu'un qui. Ça peut vous expliquer ce que ça va jouer chez quelqu'un si vous êtes en lien avec quelqu'un ou c'est pas sécurisant. Vous voyez, il y a un truc assez diffus comme ça. Euh, le professionnel, mission de vie, sentimental, waouh, vous avez un package complet. En tout cas, moi, mes amis du groupe numéro 3, je peux vous assurer un truc c'est qu'il y aura un avant, un après. Pourquoi Parce que je vous sentais un peu dans le flou. Mais vous sentiez poindre ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines, une décision à prendre ou un axe vers quel axe aller et maintenant vous allez être axé vers tout ce qu'il vous faut. Peut-être parce que vous avez eu la sagesse de ne pas mental, mentaliser les choses, j'entends. Vous avez beaucoup réfléchi il y a longtemps, après vous, vous, avez, vous avez relativisé et maintenant vous vous ouvrez le cœur. J'entends qu'il y a une belle ouverture du cœur. C'est beau, ça ressemble un peu au choix numéro un, mais je vous dis c'est peut-être après. Je sais pas, bon, bah. Quel est le conseil et quel est le point de vue du divin pour vous la situation va s'améliorer, ouais. Ouais, 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 ouais. ouais. Euh, dans tous les sens du terme, je pense que le mieux-être dans votre... C'est vous, en fait, c'est pas quelqu'un d'autre. Dans, dans votre vie professionnelle, matérielle, tous les jours, vous empêchez jusqu'à maintenant de vous épanouir en amour ou dans les relations aux autres. Et ça s'assainit, parce que a... c'est la santé, le mieux-être, la Vierge. Hein. L'été aussi, hein. c'est un signe de l'été, donc c'est florissant. Euh, tout va s'améliorer. Ah bah c'est super. En fait, on vous a réaxé, on vous a réaxé vers la bonne voie. Vous étiez, je sais pas, je sais pas quand est-ce que ça s'est passé, parce que voilà, après ce sera libre à chacun. Mais euh... Vous voyez, c'est comme si vous visiez. Alors c'est symbolique. C'est comme si jusqu'à maintenant vous visiez une reine de pentacle et en fait ce qu'il vous fallait c'est une impératrice. Donc c'est symbolique. Vous visiez peut-être un, mais c'était bon les deux. Mais je sais pas. Est-ce que les deux en fait elles vont bien ensemble, mais c'est deux personnalités différentes. Alors ça peut être des personnes, mais là, ça peut être des jobs, ça peut être une vision de la vie, ça peut être, c'est une arcane majeure qui arrive vers vous, c'est plus une arcane mineure, c'est une arcane majeure, deux arcanes majeures avec l'étoile. C'est beau, j'adore vous dire les messages. Aujourd'hui, ils sont vraiment chouettes, ces messages. Alors, petite breloque pour vous, mes amis, du choix numéro deux. Alors, qu'est-ce que nous avons Nous avons du quoi Nous avons du quoi Nous avons du quoi Nous avons en signe, nous avons le bélier. OK, ça tombe bien, on est en plein dedans. Qui va vous pousser vraiment vers un nouveau départ. J'entends, nouveau départ. On a le signe du capricorne, donc deux fois avec ça. On a le signe du lion qui est là. Euh, nous avons le U et nous avons le V. Vu. Ah, c'était quoi la pub Qui a vu, verra. Vu. <laughs> non, mais c'est fou. <laughs> UV. Non, je ne sais pas. Bon, bref, V et U. Waouh. Wow. Ça fait du bien, à votre chakra du plexus solaire, la confiance en vous. Vous allez voir cette lune, elle va vous redonner confiance en vous, en quelque chose, en la joie de vivre, profiter de l'instant présent, je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Waouh, 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 wow. en plus, vous avez le chakra coronal, donc vous recevez, c'est ça le poisson. Vous recevez les infos directement par le divin grâce à cette lune. Ouais. Vous recevez des bonnes instructions. Surveillez vos rêves au niveau de la lune. Ça sera peut-être un peu perturbé, mais vous allez voir juste, en fait, on va vous transmettre par les rêves ce qui est fait pour vous. Carrément, j'en suis sûre. Euh, super. Vous allez être indépendant, indépendante, mais le, le chat roux il est heureux d'être indépendant, indépendante. Il y a quelque chose où euh, il suit sa route d'une façon. Euh, c'est pas logique, c'est que c'est quelqu'un qui a la foi et qui soit qui suit sa route. On a le mois de septembre. Bah dis donc là on a beaucoup de vierges quand même. Hein. Euh, on a le mois de septembre avec le raisin. Le raisin vous allez récolter. Vous, avez ré... vous allez récolter, vous allez faire les vendanges du fruit de votre travail. C'est bon, mais à tous les niveaux. Hein. Euh, vous aviez l'impression que vous étiez bloqué. Regardez, dans une situation avec la, la, la tortue tôt, dos tournée, elle va se retourner. Vous vous réancrez à ce qu'il vous faut. En fait, c'est fou. Et l'impératrice, <laughs> c'est drôle ça. Alors, on a... C'est drôle parce que, vous voyez, on a deux personnes, deux situations, deux jobs, un choix. Et il y a, y a un choix où il y a la brique de l'âme. Alors euh, la brique de l'âme, c'est quoi la, euh, Là sur la, ce que je ressens sur la de pas parce que je sais ce que c'est. Euh, la brique de l'âme, ça veut dire que votre âme, elle dit, mais si tu fais ce choix là. On est, sur ma... on est sur ce qui est prévu pour nous. Si tu fais ce choix-là avec l'impératrice, donc c'est quelque chose.. Alors, je vais vous dire après, hein, j'ai une vibe, mais bon. Euh, ce sera ce choix-là. Qu'est-ce que vous préférez entre votre âme qui dit, mais là, on est sur mon chemin t es, t es, t es... Et puis, ça peut être aussi une âme connue, une âme sœur. Et de l'autre côté, on a quelqu'un... Ah, 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 c'est plus compliqué. En gros, je restatue ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a deux personnes, deux situations, deux professions, deux voies, deux chemins. Vous, amis du groupe numéro 3. La reine de pentacle, c'est quelqu'un qui est euh... comment vous dire C'est quelqu'un qui est là, c'est quelqu'un qui est en présence. L'impératrice, c'est quelqu'un qui alors j'ai capté la différence entre les deux parce que je vous disais c'est des énergies similaires. Ouais mais non parce que l'impératrice c'est une énergie qui euh... comment vous expliquer Là je la sens ambitieux, trop ambitieux. Trop, trop, trop ambitieuse et la reine de pentax je la sens en place et assez saine alors ça peut être justement par exemple si on prend deux jobs, il y a un job où vous avez un, la possibilité d'un contrat pérenne et où vous gagnez pas non plus des milliers d'essence mais ça vous fait du bien on peut parler d'une relation et de l'autre côté il y a une relation de quelqu'un euh, avec quelqu'un ou un job qui par exemple on vous paye énormément Faites le bon choix, est-ce que vous n'êtes pas attiré plutôt par l'argent En tout cas, ça va vous aider. Il, est, il devient de plus en plus complexe ce choix avec les breloques. Si c'est une personne, attention, par exemple, à une duchesse versus, vous voyez, une, une impératrice, donc, ou un empereur, ou un duc, versus quelqu'un de plus simple, qui est dans des énergies plus simples, et de l'autre côté, quelqu'un qui, euh, je ne sais pas, il y a un rapport à l'argent, là. Il y a un rapport à l'argent qui est bloquant. Bon, j'irai pas trop loin, on n'est pas en guidance perso, mais j'ai senti un truc comme ça. En tout cas, sur la maison de la Vierge, là, sur la maison de la santé, du travail et des habitudes, euh, il y a des belles opportunités dictées par le divin. N'oubliez pas. Bon, bah dis donc, elle a été assez énigmatique à la fin, votre, votre guidance. Vous savez quoi, je fais jamais ça. J'ai jamais fait, mais j'ai besoin d'avoir une carte entre les deux. <laughs> ok, page de pentacle. Donc on se dirige plutôt vers la reine de pentacle, euh, signe de terre. Donc là il y a quand même beaucoup de signes de terre, hein, entre le Capricorne, la Vierge et tout là. Euh, reine de pentacle, page de pentacle, euh, un départ, un départ, un nouveau départ, quelque chose de pérenne euh, avec euh, une activité, une personne, une situation qui est saine. Et de l'autre côté, l'impératrice ça peut symboliser quelqu'un. Euh, je ne sais pas. Quelqu'un ou quelque chose, vous le saurez. Attendez, je vais, je vais mettre une carte dessus. Là, là je suis trop en, en mode Colombo. Quelqu'un avec qui vous êtes. Ça, euh, l'impératrice, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en lien. Euh, ou un domaine de travail où c'est déjà officiel. C'est ça. L'impératrice et les amours. Il y a une situation officielle et il y a une situation qui est qui est moins visible. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, les gars, mais en tout cas, j'attends vos commentaires parce que c'est bien énigmatique. Et en plus, derrière, on a un petit page, page de bâton, page de pentacle, donc il y a, ouais. Ça va vous aider à clarifier cette situation que je n'arrive peut-être pas à clarifier parce qu'on n'est pas encore le 6 avril. Mais en tout cas, ça va vous axer sur la bonne voie. Voilà, c'est ça qu'il fallait que vous entendiez. Je vous fais des gros bisous. Votre choix numéro 3, euh, il a été plus long. Votre choix, du coup, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté et me demander une guidance perso. À très bientôt. Ciao ciao.